वापस आ गई। बुलाया गया। अगर आप नहीं है तो मैं बाहर जाके आ सकती हूँ। हाँ, टेलरिंग कोर्स के लिए सामान लेना था। गुड। तो तेरा टेलरिंग का भी है ना? आज तो काही सांगू नकोस मला। अगर सरांची परमिशन नाही घेतली अजून ना। टाइमिंग्स क्या है? तू से चल, सारा काम खत्म करके जाऊंगा। ठीक है। थैंक यू सर। Je suis pas d'origine indienne, je suis indienne. Je suis toujours, ça fait un an et quelques que je suis, j'habite à Paris. J'ai déménagé après entre le tournage et le montage pour terminer le film à Paris. Mais j'ai passé beaucoup de temps à Paris, les allers-retours. J'aime beaucoup Paris. Donc je faisais en sorte, je trouvais toujours des excuses pour passer du temps là-bas. Je suis tombée amoureuse d'un Français, je suis mariée avec un Français maintenant. Ouais, j'ai appris il y a 10 ans à la Sorbonne. La situation en Inde avec... Avec les gens qui travaillent à la maison, les domestiques, ça m'a toujours dérangée . Toute petite, j'avais une nounou à la maison. On a toujours les personnels qui nous aident pour tout faire, cuisiner, tout ça. Et donc c'est comme ça qu'on vit, c'est normal pour nous. Comme on voit dans le film, c'est complètement normal. Mais moi, quand j'étais petite, j'étais très proche de ma nounou et j'étais consciente quand même que c'était pas très juste, cette façon de vivre, cette inégalité, mais c'était complètement normal. Donc quand tu es un enfant, tu sais pas du tout quoi faire avec ça. Once you got a few thousand from their salaries, they're straight. तुम बचपन से टेलर बनना चाहती थी? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि फैशन की दुनिया में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। मुझ जैसों के लिए नहीं। Mais j'ai beaucoup travaillé vraiment toute seule, pratiquement en isolation parce que j'étais scénariste avant. Après, quand je fais mon documentaire, j'avais personne. Donc, honnêtement, pour moi, avoir une équipe, c'était super. C'était formidable parce qu'il y avait vraiment d'autres personnes qui faisaient leur travail. J'étais pas obligée de tout faire. Et j'avais vraiment une super équipe. Mon chef-op, Dominique Collin, il était vraiment un rock, on dit vraiment solide avec moi. La chef décoratrice, elle a fait un très beau décor. Donc moi, d'avoir tous ces gens de mon côté, c'était vraiment super pour moi. On a cherché partout dans la ville. À Mumbai, c'est très compliqué pour tourner. C'est très très compliqué. Donc, je discutais avec un ami producteur qui essayait de tout faire pour me convaincre de ne pas tourner à Mumbai. Parce que c'est vraiment très dur comme ville. C'est un paradoxe parce que c'est la ville du cinéma indien, mais ça devient très cher pour un film à petit budget de tourner. Mais on a beaucoup cherché avec Dominique. Avec Parole aussi, on a été voir des lieux, on s'est débrouillé pas mal. Quelquefois, on n'avait pas tout à fait le droit de filmer où on a filmé. Donc, mais on a réussi quand même à prendre certaines images. Les fonds, non. C'était pas facile, c'était assez... compliqué, mais j'ai pu trouver l'argent, j'ai pris beaucoup d'argent privé . J'ai convaincu les gens d'investir en moi. Et après, on a eu un peu d'argent maintenant à la fin pour terminer le film du CNC. Les cinémas du monde, ils ont soutenu le projet pour post-production. Mais donc l'argent, c'était pas facile, surtout c'est un premier film, c'est toujours un peu compliqué. On n'a pas ce système de court-métrage et puis un long-métrage et tout, on n'en a rien. Soit c'est un projet qui est bankable, ceux qui disent qu'il y a des vedettes, on sait qu'on peut mettre l'argent sur... Sinon, c'est très compliqué. Donc l'argent, c'est un côté, mais en termes de distribution, on ne savait pas trop comment ça allait marcher, parce que c'est pas vraiment un film... moi, je pense que c'est pas vraiment un film festival dans un certain sens. Ça a un côté un côté romantique. On ne savait pas trop, mais on a eu de la chance parce que Diaphana en France ils ont aimé le film avant que ça soit terminé, avant que ça soit pris à Cannes en fait. Donc Diaphana, ils ont pris le film et puis MK2 et puis ça s'est lancé comme ça. Donc, on a vraiment eu la chance, moi je suis vraiment contente. Vous ce que vous feel, je suis servant de vous. Look at things from her perspective. If you really like her, just let her be. Fuck, tell me how you feel. Sir? Please, मुझे सर मत बोलो.